Salut tout le monde! Revenons aujourd'hui sur World of Xeen. Waouh! Alors, reprenons notre sauvegarde. Donc, on était arrivé. On est toujours sur le Dark Side. Alors, les dieux vous donnent. Ah oui, c'est vrai, ils nous donnent 3 niveaux temporaires. Bon, on avait déjà visité les mines, les enfants. Hein. Alors le problème, c'est que quand on suivait la route, on voulait aller vers la deuxième ville, et on se retrouve avec des armadillos sur la route, et eux, ils nous défoncent la gueule. Du coup, en fait, la deuxième ville, on va essayer d'y aller. En se téléportant depuis la première, puisque c'est quelque chose qui est possible sur les... Du Mind Magic, vous n'avez pas encore trouvé mes statuettes. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Got a pass. Got a pass. Go ahead. Got a pass. Ok, go ahead. Il a l'air débile le barbare avec son got a pass. Bon, le problème, c'est que je sais plus exactement où est le téléporteur sur ce patelin. Et ça, c'est gênant. Et comme il n'y a pas de notes sur l'automap, ouf. Ouais, je veux dire, ouf. Où es-tu, petit téléporteur? Oh là là, galère. Ok, donc déjà on a trouvé la pyramide, c'est bien. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut retourner sur le côté cloud ou est-ce qu'on veut rester sur le dark side? J'aimerais bien aller voir la deuxième ville comme du dark side, Sandcaster. Mais où est ce foutu téléporteur? Là, je tourne en rond, les enfants. Donc voilà, c'est là qu'il y avait toutes les énigmes. C'est fou ça! Je paumais le téléporteur. Bah, c'est-à-dire. En fait, là, je suis resté quelques jours sans toucher à Might and Magic 4-5, et là, je suis de nouveau paumé dans cette ville. J'avoue que Castleview, c'est pas la ville la plus simple du jeu. Hein. Tour des Lingers. Ahem, mais c'est gênant, les amis. Vous comprenez que c'est gênant quand même. Là, je vais passer 1 heure à tourner en rond, c'est pour aller chercher le téléporteur. Ah, je le sens bien, ouais, que je vais passer l'heure complète à faire ça. Bon, déjà, on va dormir. Ensuite, on va se racheter la bouffe. Hello, adventurers. Ouais, je préfère vraiment définitivement la gonzesse de Clouds. Hein. Elle est un peu plus.
un peu plus de bons arguments. Good luck. Bon, mais tout ça, ça ne me donne pas le téléporteur. Ben, je pense que le téléporteur doit pas forcément être très loin de. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent level up là-dedans? Ouais. Ça se paye comme un level up en même temps. Pretty good. 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 Ah, on a déjà niveau 13 et j'en ai niveau 14, ça c'est cool de s'être entraîné du coup. Du coup, on sauve. Alors, on disait. Que le téléporteur est pas par là. Moi, j'aurais pensé que si. Est-ce que le téléporteur est pas dans une maison? Ça rendrait les choses assez compliquées, les enfants. Toi, tu voulais qu'on retrouve ton collier, non? Non, c'est pas toi. Ici, c'était les Backward Monks, je crois. C'est elle qui voulait qu'on retrouve son collier. Ok. Non, le téléporteur n'est pas du côté de la pyramide. Donc ça va pas me faciliter la vie, ça, les enfants. Mais pas du tout, du tout. Il n'est pas en prison, ça c'est sûr. Il n'est pas au milieu des tests de coffre, non, ça c'est sûr. Non, je le retrouve pas, le téléporteur, les enfants. Alors, je sais pas. Je sais qu'il existe puisque je suis déjà allé à Sandcaster. En l'utilisant. Du coup, ça m'oblige à aller chercher une map. Non, parce que là, c'est un peu ridicule, là. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on y est, là, et j'ai pas avancé d'un poil. Donc c'est pas sérieux. Ça dit, avec un peu de chance, il n'y a pas de téléporteur ici.
Ouais, puis impossible de trouver une map de ce foutu patelin. Alors là, je suis porté parce que j'essaie de retrouver ce plan de Castle View. Mais en même temps, le plan que j'ai de Castle View ressemble pas du tout à ce que j'ai ici, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, on est toujours à Castle View, rassurez-moi. Je pense quand même que je vais retourner sur Klaus là parce que j'ai l'air un peu paumé. Je ne trouve plus de téléporteur, vous voyez, c'est ça qui moi me chagrine beaucoup. Est-ce que c'est pas sur le truc de Old Black Magic? Non. Bark, looking for spells? Ah voilà, j'ai trouvé une map. Alors... Alors, Town of Castle View, ouais, j'ai trouvé une map, mais c'est pas écrit dessus. Il y a tout qui est noté, sauf ça. Bon, c'est la loose la plus totale, les enfants. Là, un lose la plus totale de l'univers.
Donc écoutez, peu importe, on va pas y passer 3 heures là parce que ça commence à devenir franchement ridicule. On va retourner dans le cloud. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans le cloud? Dites-moi. Trouver le crâne de Ligona. Ou Ligono, en l'occurrence. Retrouver le scarabée d'Imaging à Carlona. Retrouver le cristal piézoélectricité pour Falagar. Voler l'élixir de restauration du temple de Yak. Alors on a été au temple de Bark avec Barkman et là il doit avoir Yak avec Yakman. Trouver le saint livre de Elvenkind. Libérer Crodo du méchant sorcier Darzog. Trouver le sixième miroir. Ok. Je sais absolument plus où tout cela se passe. Ah, des scrolls dans le champ, j'en ai une chier là maintenant, les enfants. Rien ici, donc j'ai déjà dû faire la quête. Alors, River City. Ok, donc ce serait dans cette forêt que serait ton livre. Cette forêt, je l'ai déjà bien parcourue, l'ami, et j'ai rien trouvé. Ce qui me laisse à penser quoi? Qu'il va se balader avec du Etherealize. Clan une tour, j'ai pas le droit d'entrer. Without the proper key to this tower, you may not pass, mortals. Je n'ai pas la clé. T'es sûr que ton livre il est là-dedans? Qui est pas ailleurs, mec, parce que bon. Alors pas là, il y a tous les barbares qui me défoncent la gueule parce qu'à chaque fois ils me one-shot mon mage. J'ai fatigué les enfants, voyons. Alors on va explorer par ici, hein, cette fois-ci. Vous êtes qui, vous? Ouh, les scorpions! Ces vers-là, ils one shot quand ils touchent. Je pense que ça, c'est les fameuses gargouilles dont on parlait. Thank you.
Ah, ceux-là, faut les péter tout de suite, hein, parce que... Oh merde! On apprendra à brûler mes touches directionnelles comme un con. Sans regarder ce qui se passe. Bon, ce désert est gigantesque. Bon, tu me diras. C'est temporaire. Ça tuera personne d'aller y boire. Oh là, t'es quoi toi? Le petit bonhomme en sable. The pollen is rest. Too dangerous to rest here. En fait, le désert, faut pas faire ça. Je pense que je fais une connerie en voulant me balader partout dans le désert. Ou un sphinx. Ces gens me donnent des gemmes, j'apprécie beaucoup parce que pour lancer les sorts un peu haut niveau, il faut des gemmes. You do not have my amulet. Be gone. Ah, c'est toi, c'est ton amulette qu'il faut prendre. Ah, punaise. Ah, sur ce jeu, tu rentres pas comme ça partout, hein. Ça c'est cool, c'est que mes persos ils sont plus du tout fatigués. Ils étaient fatigués, maintenant ça va, non, ils ont l'air en forme. Ouh, pas groovy ça. Quelqu'un va mourir, non? Des gemmes, j'en ai pensé énormément aussi pour faire du stuff de qualité avec du minerai. Du coup, si je lance des town portals ou autre, il va falloir que je trouve des gemmes quelque part. Est vraiment très très grand.
It's too dangerous to rest here. Bon, en même temps, je vais peut-être pas visiter l'intégralité du désert, parce que dans 3 jours, j'y suis encore, les enfants. Je prends des directions random et puis on avance. Golem de sable. Je suis pas sûr qu'avec du sable, on fasse des golems extraordinaires et solides. You do not have my amulet. Be gone. Avec tous les sphinx, ils vont me dire la même chose. You do not have my amulet, be gone. Ah ben non. Saul, le maître de prière, tout le monde devrait apprendre à prier correctement. Je peux apprendre à quiconque la compétence de maître de prière gratuitement. La première chose que vous devrez faire est mettre 10 000 pièces d'or dans cette urne. Par là. C'est gratuit, mais il faut quand même donner 10 000 gold, quoi. Eh, oh, mec, tu te fous de qui, là? Bon, j'ai plein de pognon. Qui va apprendre? Bah, prayer master, bah, a priori, le prêtre, hein. Ne me demandez pas ce que fait ce skill, j'en sais fou. Il n'y a aucun toutou, il n'y a aucune explication, aucune information sur ce jeu, donc... Ah, c'est du old school, quoi, c'est... C'est un peu des merdes zizish, hein. Uncool! Oh là, on arrive sur des trucs beaucoup plus tendax. On arrive sur des combats un peu plus difficiles à gérer là par contre. Saloperie de Sandworm. Harry l'apprenti. Merde, attends. Merde. Essayer de retrouver le parchemin d'insight du château Bazenji. Ok. Bon, du coup, j'ai pas lu toute ton histoire, mec. Désolé. Shrine of Energy. Ça, ça doit être le château Bazenji. Bon, moi, le mec qui te donne la quête, il est juste à côté, quoi. Un ogre? Alors, bah du coup, tiens, on a trouvé un donjon. Allez, on va s'amuser, on va crapahuter en donjon. Ah, c'est les werewolves. Et de près, ils sont plus convaincants. Il faudra le Scroll of Insight ici pour le gars qui est dehors. Ok, ok. Oh! Désolé, monsieur, je ne veux pas vous mettre en colère. Ouh! Bon, mes persos sont quand même pas trop mal stuffés, donc je suis assez vite, mais. $250 gold, 25 gemmes? The fuck?
Parchemin de dépression. Parchemin de confusion. Parchemin de folie. Parchemin de faiblesse. Ah bah disons, ils ont l'air sympas vos parchemins, les enfants. Parchemin d'électricité, qui va le lire? Bon, le mage. 5000 XP et 10 en résistance à l'électricité. Scroll of Electricity, la prêtresse. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Ah, il n'y a que le mage qui peut comprendre. Ouais, il faut avoir linguistique pour... Ok, pour pouvoir lire ça. Mâchez, connard. Un cutlass, ok. Scroll of Fire. Ah, tu gagnes quand même de l'XP hein, quand tu fais ça. Le mec, il a pexé à fond, quoi. Il a chopé toutes les saloperies de l'univers, mais il a pexé à fond. Ah, il va tellement se gaver lui devant le parchemin, c'est ridicule. Le pays des joyeux parchemins. Donc, faites-vous plaisir, linguistique, apprenez-le à plusieurs personnes, pas juste à votre mage. On commence à souffrir les enfants. Ah bah quand même, je crois que la personne n'allait jamais s'en sortir. Mais va chier ! Je viens de me soigner. Oh, 25 ans de plus. Non, les Scroll of Aging, mec, t'es gentil, tu les touches pas. Oh là 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 là. Il est déprimé, il est fou, et il est weak. Bon là ce qui est bien c'est qu'on farme les gemmes là du coup. Non, Scroll of Aging, non merci, non j'ai pas envie de d'avoir un perso qui a 150 ans là. Non, ça m'intéresse pas. Non, le password n'est pas LOL. Comme on aurait pu s'en douter.
Mais il y a tellement d'XP, lui, c'est ridicule. En fait, je sais pas si c'est lui tout seul qui gagne cet XP. Donc j'ai 3 877 000, les autres ils ont 3 830 000, 4 millions 5, 3 millions 8, 3 millions 8. Bon, bon, 5 000 XP, ça change un peu rien en fait. Vu que là, ça commence à se compter en millions maintenant, mais... Bon, voilà quoi. Oh, pardon, monsieur Mal. Oh, t'as l'air vénère, toi. Chef du culte. On a trouvé des gants de toilette. Zippo! 20 000 gold, 1000 gemmes. Oh là là, Zippo! Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de mot de passe, quoi. Pour le Castle Bazenji. Donc il faut redescendre les enfants. Oh là là. On en prend plein la tronchetta. Et on va devoir le reprendre, le piège. On va retourner au Castle Bazenji et on va fouiller le château. Hein. Oups, pardon monsieur. Je ne vais pas vous déranger. Bon, il n'y a rien à trouver dans ce truc là. Au niveau du loot, ça donne quoi? On a trouvé quoi? Sling, short sword, spear, scimitar. Ouais, en armure, on a trouvé quoi? Je t'ai fait tout défoncer. Robe en acier. Putain, les mecs, vous êtes fait défoncer. Là on est full, on peut plus rien ramasser là. Puis là, on peut plus rien ramasser là en armure. Ça c'est sûr, on est full les enfants. T'es déjà fou mec. Non, Scroll of Death non. Non c'est gentil mais non. Quel con! J'ai pas lu. Oh là 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 là, quel abruti. Bon bah du coup toi tu vas essayer de le revive. Hein. Ah, quel abruti. Thank you.
Paysan emprisonné, enfin piégé. Merci de m'avoir sauvé. De l'XP. De l'XP, eh oui. Eh oui. Car nous sauvons des paysans. Merci de m'avoir sauvé. C'est pas très sympa casser le Bazenji, hein, dis donc. Les gens sont pas très gentils, quoi, j'ai l'impression ici. Hein. J'ai entendu une fois le culte du leader disait quelque chose à propos de Werewolf. Ça, c'est le mot de passe. Werewolf. Comme mot de passe, ça me semblerait très louche, mais bon. Ça tombe plus de rien. Bon, au moins, c'est le château du Pex, ce château Bazenji. Hein. Déjà, pour y arriver, tu Pex dans la nature, et une fois que tu y es. Ouais, c'est le château du Pex. Moi je vous le dis. C'est quoi que t'as ramassé? Aucune idée. Ah, une box. C'est d'accord, c'est les objets à charge, quoi. Bon, ça en a pris plein la gueule, ton petit pote. Mais non, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais, hein, avec les soins, dis donc. T'étais plus très en forme. Toutes ces boîtes. Ah, tu gagnes de l'XP toi quand tu fais ça. Ah ouais. Tu prends cher, hein, bien sûr, à chaque fois, mais... Mais il se fait trop défoncer la gueule. Bon, c'est quand même un peu décevant cette salle, mais bon, on a entendu parler d'un werewolf. D'ici que ce soit le mot de passe qui me manque. C'est possible, hein, après tout. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer dans ce patelin? C'est par où maintenant?
Aïe. Ouais, c'est ça, Werewolf. Donc c'était bien le mot de passe. Bien, 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 bien. Arrivons donc à un nouveau niveau du Castle Bazenji. Lui, il a toutes les conditions du monde, lui, de toute façon. Scroll dépression. Il a déjà tout ça. Non, merci. Scroll of Insight. Ah bah au moins on a objet de quête. Non, Scroll of Death, je dis non. Mille gemmes, 20 000 gold. Bien, Zippo, bien. Une chose qu'on pourra pas te reprocher, Zippo, c'est le manque d'efficacité. Ça, ça, toi, niveau efficacité, il n'y a pas. Hein, au taquet mon pote. Bon, j'ai trouvé son Scroll of Insight à l'autre. Par contre, du coup, on va être obligé de se rebouffer le... Non, on peut l'éviter le... Si on peut l'éviter, en même temps que je dis ça, je rush dedans comme un con. Bon, bah, je suis relativement bien tapé le Castle Bazenji là. Oui, ouais, relativement. Bon, il y a toute une aile que j'ai pas faite par là, mais... Oups. Leave Castle Bazenji, oui. C'est pas que c'est dangereux, non, c'est pas très difficile. Vous avez détruit le culte des mages qui a tué mon maître, merci. Maintenant, avec l'aide de ce parchemin, je peux devenir un wizard. En paiement pour vos services, je vous donne l'amulette du Sphinx du Nord. Oh, comme c'est cool! Tu me fais plaisir, là. 750 000 XP. Oh, bon, bon. Oh, mon pote. Voilà, c'était sympa. Le Castle Bazenji. Alors, on va essayer de retrouver le Sphinx du Nord avant de mettre un terme à cet épisode. Qui
qui a commencé plutôt mal, mais qui se termine finalement plutôt bien en fait. Hein. C'est toi, Sphinx du Nord? You may enter, but be warned, none shall leave alive. Oh, encore des menaces, toujours des menaces. Toi. En fait, c'est... Oh! Oh, ça a l'air plus chaud ici. Bon, déjà, ça fait 50 minutes qu'on y est, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se prendre la tête. Et on fera ça sur un prochain épisode, hein. Le Sphinx Nord. Alors, sympatoche comme donjon. Bah écoutez, moi, je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures sur le monde de Xine. Ciao tout le monde!